Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertiran pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui s'appelle Ellipse, qui est un platformer 2D d'aventure, pour résumer, qui est sorti le 17 mai, qui est développé par Hot Chili Games et édité par plusieurs développeurs, notamment Pit Games et East West Games. Voilà, c'est un jeu platformer, hein, comme je l'ai dit, avec un système de dash, un système de slash, bref, assez classique dans un univers, ma foi, qui a l'air tout à fait sympathique. Le jeu coûte 15 €, et puis on va découvrir ça tout de suite. Voilà, on va se faire le début ensemble, et comme ça vous direz merci Azertiran, merci pour toutes ces découvertes de jeu, grâce à toi je vais acheter le jeu et y jouer, et ça sera, eh bien, formidable. C'est le but de la chaîne, c'est l'amour. Écoutons ce bordel. Ah oui, à chaque génération, je sais pas quoi, il y a un sacrifice. Je crois que c'est ça l'histoire. Une vie à l'abysse est jetée pour dissiper le portail tant redouté. On sent l'inspiration Hollow Knight? Je le dis tout de suite. Ça se voit, ça se sent. Ah. Sauf qu'on va pas pouvoir être sacrifié. Ellipse. Un jeu qui est très bien apparemment. Ok. Tel est le destin du sacrifié, mais pour vous, ma chère, votre sort n'est pas scellé. C'est joli, les petites cinématiques comme ça. Un peu cartoon, un peu sexuel. Faye? C'est moi, Faye, comme dans Zelda? Il faut y aller, le portail s'ouvre bientôt. Eh, on dirait vraiment Hollow Knight quand même, on sent l'inspiration, hein. La tronche blanche comme ça, les yeux creux, le costume noir. Mais on dirait aussi vraiment Faye de Zelda. Allez, ne traîne pas, il ne reste pas ouvert longtemps. Je ne t'ai pas remise sur pied pour que tu restes au lit un jour aussi important. Les voix ne collent pas du tout. Hein, quoi? Vraiment? Et en plus, elle parle comme Faye dans Zelda. Tu n'aurais pas pu me réveiller plus tôt? Il n'est ni trop tôt ni trop tard, c'est l'heure d'y aller. Ah, bon, je suppose qu'il est temps de quitter le camp. Un dommage, je finis par m'y sortir en sécurité avec le temps. Pardon? Ok. Très bien. Ok, je suis là. Je suis là, je peux sauter, je peux faire des tas de bonnes choses, des tas de choses formidables. Ok, ok, c'est joli, hein. Une bonne petite gueule, bonne petite gueule. C'est là? C'est là? C'est par où? Ah, par là. Voilà, c'est drôle, d'habitude c'est par la droite, et ben là c'est par la gauche. C'est original. Pas original. D'habitude, dans ces jeux-là, le level design, c'est plutôt un level design horizontal, mais vers la droite. Tu te souviens de la route? Fais-moi confiance, c'est par là. On va commencer par recouvrer tes capacités. Tu ne seras pas en mesure d'atteindre le portail dans cet état. Quel état? Je ne vois pas de quoi tu veux parler, je suis en pleine forme. D'ailleurs, c'est plutôt moi qui devrais dire ça. Tu ne peux même pas tenir un objet dans ta main sous cette apparence. Ah, avançons, tu veux bien. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Les tutos, je maîtrise. Ok, vas-y, on saute, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, je regarde un petit peu, ouais, sympa, sympa. Je pense qu'à voir dans le futur, mais peut-être que il n'y a pas assez de, comment on dit, de distanciation, de différence entre le premier plan et le second plan. Et du coup, peut-être qu'on va pouvoir confondre les plateformes plus tard. Je ne sais pas, je vous dis ça comme ça. Ça se trouve pas du tout, tout ira bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des choses à récupérer. Des choses à récupérer en ordre. Ah, ok. Dans un ordre très précis et on obtient je ne sais pas quoi. Impulsion céleste. Ah ouais, ça c'est vraiment en mode Hollow Knight cette apparition. Utilisé par votre peuple depuis une génération pour fondre les airs, rechargez-la en touchant le sol. Appuie sur RT pour utiliser l'impulsion céleste. Ah, intéressant, d'accord, ok. Ah, c'est pas mal ça d'avoir tout de suite comme ça et là, hop, tchouk. Et je peux me projeter, oui c'est un dash, ma foi. Et en bas il y a quoi? En bas il y a Podzob, très bien. Il n'y a pas des secrets? Ok. On sent clairement, hein, je vais le redire souvent mais parce que c'est le cas, on sent clairement l'inspiration Hollow Knight. Et ça fait plaisir parce qu'on attend Hollow Knight Silksong. Hein. Maintiens RT pour arrêter ta chute. Ah oui d'accord, ok. Ouais ouais, classique, classique.
Est-ce que là ça passe? Ah et là ça passe pas. Est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus du mur? Je ne sais, enfin faire le double saut. J'espère. J'espère qu'il y a un système de double saut. Ouais, c'est pas mal. Maintiens RT pour arrêter ta chute. Ouais, ouais, ok. Classique, classique, c'est bien ça. Un point de sauvegarde, un point de sauvegarde. Sympa. Sympa, sympa. J'aime bien, on commence tout de suite avec une sorte de pouvoir. De poudre. Ok, tout va bien. Ah, parfait. Et en plus, ça passe. En plus, on prend un peu de puissance. Ouais, sympa. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Ah, maman, maman mia. Maman mia. Ah ouais, même le hub en haut à gauche, là, clairement, c'est inspiration Hollow Knightienne. Et même les portails comme ça, même les piliers comme ça. On dirait les piliers d'argent d'Hollow Knight. Ouais, je vous ai capté le jeu, je vous ai capté. De toute façon, moi, je suis un grand fan d'Hollow Knight. Hein, big up, Sulfury, je t'aime, je te fais des bisous. Maintenant, RT pour enchaîner les impulsions. Utilise RT pour enchaîner les impulsions. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ah, pas mal. Ok, pas mal. Sympa, sympa, c'est nerveux, on aime, c'est sexuel. Et là, merde, j'ai raté. Voilà, sympa. Clairement, hein, c'est un jeu qui se joue à la manette, hein, vous en doutez. Vous en doutez. Ça se sent dans le gameplay. Waouh, c'est génial, je ne savais pas que je pouvais faire ça trop forte. C'est loin d'être suffisant, il va t'en falloir plus. Allons, perdons pas de temps. Ok, là on est bueno lastico. Sympa, j'aime bien. J'aime ce que je vois, j'aime ce que je fais. J'aime faire l'amour. Et tout se passe bien. Là y'a quoi? Attention, on me la fait pas moi. Oh là là, ça a l'air chaud ça. C'est le cas de le dire, lol. Excellent, excellent. Putain, on rigole, putain. Ah, mamma mia. Ok. Oh là là. Un secret de tout en camion. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Épine céleste, un projectile magique utilisé par les célestes depuis les temps antiques pour se défendre. La pulsion céleste recharge vos pines. Maintiens LT pour utiliser l'épine céleste. Ah bien. Les impulsions rechargent tes épines. Et là ça enlève le... Ok, ça enlève le bouclier magique de la mort et de l'amour. Et on peut passer. Et regarde, je peux tirer des projectiles maintenant. Ça sera plus utile que tu ne le penses pour atteindre le portail. On appelle ça la puberté. C'est bon, nous avons ce qu'il nous faut. Quittons ce lieu. Ok, ça me va. Et là, hop, il n'y a plus bouclier. Du coup, je peux passer. Voilà. C'est bien, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Et ça, c'est très bien. De toute façon, j'ai pas fait Polytechnique. Qu'est-ce que j'aurais foutu avec Polytechnique, je vous le dis. Oh non. Ok, là ça va être chaud à passer. Bien joué. Mais c'est chaud à passer, mais je suis beaucoup trop fort, tu vois. Donc en soi. Oh là là, utilise ton impulsion avec RT pour recharger tes épines. Vas-y, on va les enculer, comme on dit dans le jargon. Est-ce que. Ah ouais, non, bon là ça sert à rien. Ok, j'ai fait de la merde. Voilà, bien joué. Bon, j'ai quand même fait de la merde. Voilà, c'est bien. Et ça se recharge comme ça. Voilà, bien joué. Ok. Et là, dans la tronche. Et là, on défonce la porte. Très bien. Est-ce que c'est classique des jeux, c'est-à-dire qu'on va rapidement affronter un boss alors qu'on est au début du jeu? Non. Voilà. Ah, il faut alterner. C'est pas mal. Mais ça demande un certain... Je pense que ça va rapidement demander du skill. Skill que je n'ai pas. Hein. Oh non. Ah non, je suis obligé de... Ok. Si on a plus soin avec LT pour recharger des piles. Ouais, j'ai compris. T'inquiète. Voilà. Ça va devenir, à mon avis, rapidement difficile. Hein. Rapidement chaud du gland, comme on dit dans le jargon.
Ah, ah ouais, si je suis obligé à chaque fois de recommencer, ça va commencer à devenir pénible. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. On est revenu en bas, tout va bien, tout va bien. Ah, il y a une grosse mouche qui m'attaque. Une grosse mouche qui pue, là. Mais arrêtez. Il y a la mouche qui m'attaque. Au secours. Ok. On dirait des oreilles de lapin. Gouffre dédamné. Succès déverrouillé, un puits sans fond. Je me méfie des mouches, parce que si c'est une mouche à merde, ça veut dire que j'ai peut-être pas pris ma douche. Ok, oh, le puits dédamné. Ouais, là, il y a vraiment l'inspiration Hollow Knightienne, je vous le dis. Ça y est, nous voilà en dehors du campement, au plus profond de l'abysse. Il ne nous reste plus qu'à poursuivre maintenant. Plus de retour en arrière. Ne t'inquiète pas pour ça, avec ces nouveaux pouvoirs, ce sera un jeu d'enfant, plus rien ne peut arrêter notre montée. L'ascension débute. Je ne suis pas si certain de notre réussite, mais j'ai toujours aimé ton enthousiasme. Ne traînons pas. Oh là là, avec les mains là. Bien, on peut lui reparler, c'est la même chose. Ouais, ouais, ok. Très bien. Très bien, et bah allons-y. Ah, très bien, je vais me faire foutre. Ok, on va passer par là. Ah là, dans la tronche du Playmobil là. Vas-y. Voilà. Ok, ouais, faut être assez vite, faut être assez rapide. C'est joli, hein. Il y a une belle petite direction artistique en toute honnêteté. Plutôt sympa. Oh, la lumière de tout en camion. Ok, qu'est-ce que c'est? Non, rien, je pensais qu'on pouvait l'allumer. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien. Sympa l'ascension, là. L'ascension du Mordor. Ok, bien, bien. Voilà, bien joué. Il y a, j'ai l'impression, un léger dégât de zone. Donc, on n'est pas. Bah, on a la manette oblige, on n'est pas obligé d'être ultra précis, tu vois. Ah, pas mal. On avance, on pénètre. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça brille, c'est beau, je peux le prendre. Ce sont des âmes, Faye. Les échos des êtres restés trop longtemps dans l'abysse, enfermés dans ce cristal. On ne peut pas les laisser là dans cet état. Prenons-les avec nous. Elles ne sont pas conscientes, Faye. Ah bon, très bien, prenons-les avec nous. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces lanternes? Je les ai jamais vues. Moi non plus, ça doit être voir un rapport avec ces échos d'âmes emprisonnées. Intéressant. Utilise ton épine céleste pour le détruire. Ok, c'est bon. On récupère les âmes, elles sont mises en haut à gauche. J'ai obtenu un cristal de je ne sais quoi, de sexe. Oh, bien joué. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Bonjour, Faye. Bonjour, Nick. Cela fait un moment que je vous observe. Le portail s'ouvre bientôt et votre périple commence. Qui êtes-vous? Comment avez-vous su? Je suis un simple être en quête de l'écho des âmes. Le reste n'a que peu d'importance. D'ailleurs, ces échos d'âmes que vous portez m'appartiennent et j'aimerais les récupérer. Laissez-moi vous faire une proposition. Pour toutes celles que vous m'apporterez, j'échangerai des ustensiles et pouvoirs utiles à votre escapade. Ah, donc tu m'en dis des âmes? D'accord, à condition que tu ne leur fasses pas de mal. Elles sont si belles, toutes brillantes, elles me font penser à une petite lanterne. À propos de lanternes, ce sont les vôtres qu'on a croisées. Ce sont de vieux outils appartenant à d'anciennes connaissances. Quand vous vous sentez perdu, suivez-les. Elles sont là pour guider les voyageurs égarés. Suivre les lanternes? C'est dans mes cordes. Il a l'air complètement con. Vous m'intriguez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Rien qu'échanger quelques échos avec vous. Bon, revenons-en à nos âmes. Que nous proposez-vous? Hutte mystérieuse qui ressemble étrangement à la vôtre. Utilisez les espaces dédiés pour la déployer et profiter d'un moment de répit. Ouais, c'est comme les bancs. Bon, c'est clairement inspiré de Hollow Knight, hein, même dans le menu, même dans tout. Ça se voit, ça se sent, ça se respire. Et vive Hollow Knight. Voilà, vive Team Cherry. Vive Team Cherry. Allez, on achète. Une hutte mystérieuse, utilisez les espaces dédiés pour les déployer. Ok, merci au vieux. Oh, une lanterne. Appuyez X pour construire ta hutte. Avec un H et non pas avec un P. Interagir. Oh, c'est beau. Dis-moi, Nick, c'est normal que ça me paraisse familier, que je m'y sente bien? Oui, Faye, c'est normal. C'est notre hutte qu'il nous a vendue. Allons lui en toucher deux mots à ce charlatan. Pigeon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on s'est fait pigeonner l'oignon, là. Ok. Pigeonax, l'oignonax. En restant au sol, tu peux enchaîner les impulsions célestes autant que tu veux. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant, ça. Ok, ouais, c'est bien fait, c'est bien branlé.
Ah oui, mon pouvoir, là, je vois que j'ai deux. Regarde, un, deux, à gauche, en bas. Et un pour l'autre, pour les épines. Où est-il passé? Il est parti. Évidemment, il dégage quelque chose d'étrange. J'ai le pressentiment que nous allons le croiser à nouveau durant notre périple. Ne perdons pas plus de temps, allons-y. Ah, on sent le boss, on sent le gars qui va devenir un boss, qui va vouloir... Ah, mamma mia, bibabou, babibabu, babu, ok. Ah là 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 là, on est mauvais, on est mauvais. Bon, en même temps, je fais pas attention et je reçois un SMS. Ah là. Ah là. Attention. Oh là là, ça devient chaud. Ah ouais, il fait des immenses sauts. D'accord, c'est intéressant. Ah ouais, par contre, on revient vraiment loin. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai oublié d'où je venais. Bien joué ça. Ouais, vous voyez, en bas à gauche, on peut voir qu'on peut faire deux impulsions. Et à droite, une épine céleste. Et là, ça se recharge. Voilà, bien joué, bien joué. Non, ça c'est bon. Ah merde. Ah, forcément, on voit pas le sol. Ah, la caméra est pas forcément évidente. De toute façon, c'est un jeu à la merde. C'est un jeu à la Hollow Knight, un peu en mode Die and Retry entre guillemets, dans le sens où, eh ben, t'avances et ah. T'avances et puis après tu refais pas les mêmes erreurs quoi. Voilà. Ah non. Va y avoir des ellipses dans cette découverte. J'ai rarement essayé un jeu aussi, entre guillemets, aussi difficile dans les premières 20 minutes, tu vois. Genre, d'habitude, je meurs pas. Et là, c'est vrai qu'on meurt. Oh, un boss, ça serait bien de se terminer sur un boss. Walalalala. Ah non! Voilà, c'est bien. Je me concentre un petit peu. Voilà, c'est bien, on avance. On avance plutôt vite, on avance plutôt bien. Et là au sol, ah ouais non, ici là je peux pas utiliser de... D'accord, je dois recharger comme ça. Ok, j'ai compris. Oh, qu'est-ce que c'est? Un portail. Oh là là, on va toujours... Intéressant. Ok, ah, on récupère quelque chose. Un. Et du coup ça me permet quoi? D'ouvrir la porte. Merde. Vas-y. Ah, il faut le deuxième, ok. Il faut aller enculer un cochon. Ok. Bien joué, Zertiran. Bien joué, t'es numéro 1, Zertiran. Numéro 1 dans mon cœur. Et là, ça ouvre le portail. Sympa. Il y a des mécanismes assez intéressants. Je regarde juste mes SMS parce que j'attends quelque chose d'urgent. Ok. Non, tout va bien. C'était ma mère. En premier boss, ça serait idéal pour finir la vidéo. Je sais pas si c'est un premier boss, mais... Ouh, voilà, alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Maurice? Tiens, voilà. C'était pas un boss, ça. Ah non. On recommence pas depuis... Non. Ah ouais. Il faut pas rechercher à nouveau les cristals, dis-moi. Ah non, c'est bon, on est au boss. Ah ouais, bon, par contre, on a qu'une vie. Ah, c'est chaud. Mais c'est le cas de le dire, lol. Non. Ah, on a réussi. Parfait. Ok, c'était pas évident, surtout qu'on meurt d'un coup. Hein. C'est un jeu. Je sais pas si c'est un roguelike officiellement, mais c'est pas facile, quoi. Qu'est-ce que j'ai récupéré? On va pas tarder à s'arrêter, hein, parce que je suis mort bien trop de fois pour une découverte. Allez, ouais, c'est pas évident. Le jeu, c'est pas pour les âmes sensibles. Hein. Non, mais c'est pas easy, c'est pas facile. Mais en tout cas, pour ceux qui ont la difficulté des jeux nerveux, clairement... Oh là là. Tiens, on va passer. Clairement. En plus... Ah ouais, mais attends, j'ai rarement vu un jeu où il y a autant de merde, autant de difficultés dans les 20 premières minutes. C'est assez... Ah, mamma mia. Ok. C'est très joli, par contre. Ça, je... Ah. Là. Ah ouais, non, je croyais que c'était plateforme. Ok. Succès déverrouillé, plouf. Bon, écoute, si le jeu me récompense parce que je suis mort, pourquoi pas, hein. Intéressant.
Pas mal, pas mal. Ah là, il faut des cristaux. Ah, j'avais pas vu la coulée de live. Ouais, le jeu... Ah ! Ok, le jeu, il pardonne pas du tout, mais alors pas du tout. C'est... Ouais, clairement, faut aimer la mort, hein. Faut aimer mourir, faut aimer la difficulté. C'est pas un jeu pour les casus comme moi, tu vois. Ah là, il y a un cristal. Eh bah, très bien, mais écoutez, on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là, on est pas mal. On n'est pas mort, mais on n'est pas loin d'être mort. Je sais pas où est le cristal, par contre. Voilà. Je sais pas. Ah, c'est bon, ok. Il y avait juste besoin d'un cristal, donc tout va bien. Hop. Hop. Ah, j'ai pas trop envie de vous spoiler le jeu. Ah ouais, en plus, là, ça devient chaud du cul, un peu. Enfin, c'est déjà chaud du cul, hein, mais... Oh, qu'est-ce que c'est? X. Enix, j'ai toujours voulu te demander, tu sais pourquoi il y a autant d'ossements où nous sommes? Ouais, c'est vrai qu'il y a un paquet de gens morts, hein, il y a un paquet de conneries mortes. Nous sommes au plus profond de l'abysse, tous les êtres qui se retrouvent consommés par ce lieu infâme terminent ici. Ils s'accumulent depuis des millénaires ou plus. Qui sait quel âge peut bien avoir cet endroit? Ouais, ça me fait peur, Nice. Est-ce que je vais aussi finir consumé? Est-ce que je vais aussi perdre mon corps? Comme toi? Bah, si nous sortons d'ici avant, continuons de monter. Ouais, il faut tout remonter. D'accord, faut tout remonter sans être tourmenté. Ok. Oh là, ça a sauvegardé. J'aime pas ça. Non, c'est bon. Oh, j'aime pas ça. Ok, je m'en suis sorti royalement parce que je suis numéro 1. Ah, numéro 1 dans le cœur des Français, mais aussi des autres. Dans le cœur de tous, dans le cœur de... Je sais pas où je vais, la zone a l'air immense, j'ai pas du tout... Oh là là, Mamma Mia, Saint-Jean de la Puenta. Ok, gouffre des nanés, on va s'arrêter là. Oh, reprendre statistique, assistance. C'est quoi statistique? Assistance, c'est quoi? D'accord. Ah, d'accord, ok, ah, c'est une sorte d'aide. Ok, bon, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. C'était Ellipse, donc un jeu, comme vous voyez, platformer 2D, très clairement inspiré de Hollow Knight. Bien corsé, bien difficile. Je ne compte pas le nombre de morts en 25 minutes, mais en tout cas, ça fait plaisir. Gros bisous à tous, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Le jeu coûte 15 euros. Et puis voilà, hein, je vous fais des petits bisous partout, et à bientôt. Bye bye, salut.